Qu'est-ce qu'on sait, Shepard? Idea? Le complexe du sanctuaire est destiné à aider les réfugiés qui fuient les moissonneurs. Le complexe ne donne plus signe de vie depuis peu, et Nemeni ne reçoit aucun signal. Difficile de dire pourquoi Kailang ou Cerberus s'y intéresserait. S'il y a du Cerberus dans l'air, on le saura. Chef, je détecte un signal émis par le complexe. Il est faible. J'essaie de l'amplifier. Ici Orianna Lawson. Évitez le sanctuaire. C'est un piège. Pitié, vous devez me croire. Ils utilisent... Orianna? C'est la sœur de Miranda? Et voilà le premier lien avec Cerberus. Atterrissage imminent. Il y a de la casse, commandant. Mais aucune activité. Cerberus ne nous surprendra pas cette fois. Restez sur vos gardes. Shepard, regardez ce bordel. Le combat a dû être violent. Ouais, mais qui combattait? Vous avez entendu ça? Oui, la radio est muette. Quelque chose brouille nos fréquences. Voilà pourquoi rien n'émet depuis ce complexe. D'accord. On dirait que les moissonneurs les pourchassaient. Il était temps qu'ils s'entretuent. Compris. Se sentira à l'abri derrière ces murs. Et puis, quelque chose est vraiment allé de travers. Il faut découvrir ce qui s'est produit. Attention, les appareils de communication ne fonctionnent pas dans le sanctuaire. Plus qu'une semaine, et j'aurai rempli les conditions de mon contrat. Je quitterai l'équipe de réception pour aller dans le sanctuaire. Je suis un peu gêné parce que je suis mieux loti que les autres réfugiés. Veuillez suivre les instructions du personnel du sanctuaire. Le nombre de réfugiés a doublé ces deux dernières semaines. On dit que les gens abandonnent leur navette à la porte principale. Ils n'ont nulle part où aller. Il va falloir fabriquer des abris temporaires dehors, en attendant qu'on puisse s'occuper de la place pour tous les réfugiés. Un appareil de communication illégal a failli passer la sécurité. Le logiciel de scan a été paramétré. Il n'aurait pas pu passer le brouilleur central, mais on ne peut pas risquer que le moindre signal ne filtre. Rapport classé. Pour votre sécurité, aucun appareil de communication n'est autorisé dans le sanctuaire. C'est l'enregistrement d'une caméra de surveillance. C'est l'endroit où ils triaient les réfugiés. Ça en fait un paquet. Venez, on n'a pas encore trouvé de traces d'Orianna. On avance. Pour votre sécurité, les appareils de communication sont strictement... Ça doit être une autre zone d'atterrissage, plus officielle. Les vaisseaux qu'on a vus dehors devaient attendre leur tour.
Mais où sont tous les gens qu'ils ont amenés? Qui ont du mal à s'enregistrer. J'ai un fragment d'enregistrement. On se pose dans quelques minutes. Il faut que tu vois ça, papa. C'est fascinant. Je vais enregistrer un tas de trucs et te les envoyer. Ils interdisent les communications tant qu'on n'a pas été enregistré. Je te l'avais bien dit. La sécurité au top. Je suis impatient d'y être. Attention. J'en ai un autre. Je ne peux pas appeler, mais je t'enverrai ça aussi vite que possible. Ma fille est malade, c'est pour ça que je suis partie. Je t'aime, mais je dois m'occuper d'elle. Les cliniques ne recevaient plus les réfugiés, et je ne voulais pas t'emprunter de crédit. Je ne sais plus où j'ai entendu parler du sanctuaire. La rumeur, je suppose. Ça semblait parfait. Un endroit où se cacher, jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Je peux voir l'endroit par la fenêtre. C'est énorme. Il y a déjà des gens qui nous attendent. Les procédures de sécurité n'existent que pour assurer votre protection. Compris. Quelque chose devant, Shepard. Des pertes, des deux côtés. Encore Cerberus! Un cul-de-sac, Shepard. Il faut trouver une sortie. Ouvrez bien les yeux. Ok, on se retrouve avec Cerberus, les moissonneurs et le père d'Oriana. Comment on remonte le puzzle? Un pupitre de sécurité. Je le coupe. Qu'est-ce qui se passe? Il voulait cacher quelque chose. On peut entrer dans le complexe par la petite porte. Avançons. Ça provient des moissonneurs. J'en suis sûr. Je ne sais pas, mais Cerberus a trouvé comment s'en servir. La réponse doit être ici, quelque part. Et Oriana est coincée entre les deux. On presse le pas. Ça va être moche, Shepard. La technologie du moissonneur n'a jamais rien produit de bon. Ça doit être un poste de commandement, mais il n'y a pas de courant. Cherchez un interrupteur. Voilà l'interrupteur. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les réfugiés. Ils les exterminent. Pire. Ils sont transformés en zombies.
Je pige pas. Pourquoi se donner autant de mal pour créer des zombies? Qu'est-ce que l'homme trouble y gagne? Les moissonneurs ont attaqué parce que cet endroit était une menace. Il faut savoir pourquoi. Je coupe l'alimentation de l'usine. Ces choses sont à la porte. Je coupe l'alimentation de l'usine. Ça devrait tout bloquer. Kai Leng, elle ne sait pas qu'il est ici. Orianna Lawson s'est échappée. Voulez-vous que je m'en occupe? Seulement si elle entrave notre route. Le résultat des recherches passe avant le reste. Trouvez-le et partez. Oui, chef. Merde! En avant! A fourni un élément clé pour notre travail. Le rendre dépendant au sable rouge pour briser sa volonté était bien vu, bien que néfaste à grande échelle. Nous avons prouvé que l'adrénaline et ses équivalents dans les autres espèces est la plus efficace. Difficile d'imaginer de quoi cet endroit avait l'air en pleine activité. La course à l'efficacité nous a appris une chose importante. L'emploi des dents du dragon pour créer des zombies est ingénieux. Les nanites des moissonneurs se fixent sur l'adrénaline libérée et se déplacent rapidement dans le corps pour accélérer la conversion complète en zombies. Comprendre comment fonctionnent ces modules d'endoctrinement. Le terminal est HS. Attendez. Les moissonneurs voulaient raser l'endroit. On saura peut-être pourquoi. Ça n'a pas de sens. Cerberus et les moissonneurs s'entendaient. Qu'est-ce qui a changé? Et voilà. Certains réfugiés se sont transformés en zombies. J'entends les cris d'ici. Certains sont endoctrinés et envoyés à l'homme trouble pour servir de troupe.
Les autres meurent par milliers dans les expériences de mon père. Ce complexe sert à ça. Je dois absolument atteindre la tour pour couper ce qui bloque le signal. Je dois prévenir tout le monde. Attirer des réfugiés juste pour pouvoir en faire des cobayes. Et tout ça pourquoi? Mettez-les en rang, direction le hachoir à viande. Rappelez-vous que des réfugiés endoctrinés sont envoyés par convoi entier à l'homme trouble. On peut s'en servir pour le trouver. Bien joué. Allez, Oriana a dit qu'elle allait vers la tour. Je dois envoyer ça. Une caméra de la tour a enregistré ça. Je dois envoyer ça et atteindre la tour à tout prix. Connexion établie. J'ai votre rapport sur le traitement, Monsieur Lawson. Allez droit au but. C'est faisable? Théoriquement, il est possible de les contrôler. Les sujets moissonneurs que nous avons convertis répondent bien, mais c'est précaire. Sans faire, Henri. Grâce au sanctuaire, ce sera réglé. Parvenir à contrôler les forces des moissonneurs? Fascinant. Voyons un peu la suite. On a réussi. On a trouvé un moyen d'exploiter leur signal de contrôle. Tant que les troupes des moissonneurs restent près de notre signal, nous pouvons maintenir le contrôle indéfiniment. Excellente nouvelle. Et comment pourrions-nous appliquer cette technique aux moissonneurs eux-mêmes? C'est un défi bien plus sérieux. C'est la raison de l'attaque des moissonneurs contre le sanctuaire. Ils ont découvert ce que Cerberus préparait. Mauvaise nouvelle pour l'homme trouble. Mais bonne nouvelle pour nous. On a enfin la preuve du lien avec Cerberus. J'abaisse l'échelle d'accès. Allez, c'est parti! Un instant, Shepard. Regardez ici. Merde, il intercepte les données. On bouge! Notre premier succès a été la création de zombies. Même si ce ne sont pas de vrais zombies, ils répondent aux signaux des moissonneurs. Il reste du travail, mais nous avançons. Ça y est presque. Comprendre le processus d'endoctrinement est une chose, mais réussir à le tourner à notre avantage est une autre paire de manches. C'est de la science à la chaîne. La seule force des nombres et des répétitions fait le travail pour nous. Efficace, mais la découverte va à son rythme.
Il reste du travail, mais... Attention, Shepard! Cherchez une sortie! Il y en a tellement! On y est presque! Allez! Par là. Ça nous rapprochera de la tour.
Accès à la tour accordé. Vous avez entendu, on s'y apprête. Commandant Shepard, vous arrivez pile à temps. Baissez votre arme. Non. Orianna vient de me rater. L'influence néfaste de sa sœur, sans doute. Dommage qu'elle vous ait raté. Où est Kai Leng? Je ne sais pas. Parti. Il a pris mes recherches et nous a abandonnés à notre sort. Orianna, vous êtes blessée? Restez où vous êtes, commandant. Elle va bien. C'est terminé. Au contraire. Maintenant que les moissonneurs ne sont plus un problème, il y a une issue. Laissez-la partir. Je vous en prie! Du calme, ma fille. Vous, j'en ai rien à foutre. Je veux juste Orianna et vos découvertes. C'est beaucoup demandé. Vous aurez la vie sauve. C'est pas un bon marché? Très bien. Prenez-la. Mais je saurai... Je ne suis pas d'accord. Ça va, Orianna? Je crois qu'il était... Merci. On en est où, ici? On peut tirer des infos de cet endroit? Rien sur leur recherche, mais on a des infos sur le complexe. Le transit des navettes, dont celui de Cerberus. Pas de lien direct, mais c'est déjà ça. Récupérez le contenu de cet ordinateur. On le ramène pour analyse. Il faut mettre tout le monde au courant pour cet endroit. Brouillage des communications désactivé. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je suis Orianna Lawson. Reculez. Ceci est un complexe de Cerberus. Passez-nous chercher à la tour. Bien sûr. J'en ai assez de cet endroit.